Ça m'a juste saoulé, rien ne marche. Alors, c'est ça, c'est la blague de la soirée aussi. Rien ne veut fonctionner comme rien ne fonctionne comme je le souhaite en fait, depuis que j'ai allumé mon OBS. Alors, entre mes conneries à moi, plus le matériel qui indépendamment, ta gueule, qui indépendamment n'en fait qu'à sa tête, et mon peu de patience parce que je suis malade. Tous ces éléments rassemblés font un mélange, je sais pas comment on pourrait dire ça, de merde. Non mais c'est un peu catastrophique ce soir pour un stream de retour. Là ça s'enchaîne entre ma webcam qui je ne sais pour quelle raison sur OBS, j'ai la dernière version d'OBS, je fais toutes les mises à jour d'OBS. Ne veut pas fonctionner une fois sur deux. Mais vraiment une fois sur deux. C'est-à-dire que j'éteins OBS. Enfin, j'allume OBS pour la première fois. Donc, par exemple, j'allume mon ordinateur, j'allume OBS pour la première fois. La webcam ne s'active pas. Je pourrais faire toutes les manipulations que je veux. Je rééteins OBS. Je rallume OBS. La webcam marche. Si je rééteins OBS et que je le rallume, la webcam ne marche plus. Si je le rééteins et que je le rallume, là, ça remarche. Enfin, bref, c'est. Comme un interrupteur, le truc, le bordel. Et bref, et voilà. Et donc déjà, c'est un problème qui est chiant, que j'arrive pas à localiser. Pourquoi c'est? Alors, j'essaye de suspecter Messenger, peut-être que la webcam est prise par Messenger. Le problème, c'est qu'en fait, la webcam, les voyants bleus pour dire qu'elle est en fonctionnement, ne s'illuminent que quand OBS s'allume. Et s'éteignent quand OBS s'éteint. Donc, c'est-à-dire que c'est OBS qui l'utilise. Bref, c'est très chiant, donc j'essaie de régler le problème et tout. Puis en plus, là, tout à l'heure en lançant, ça marche toujours pas, ça marche toujours pas à force de redémarrer et tout. Bon, la première fois, ça marchait réellement pas. La seconde, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai un cache. Et pour moi, du coup, je ne faisais pas la différence entre sans et avec le cache. Bon, ça c'est moi qui suis très con. J'ai rigolé de mon erreur, pas du tout, je me suis énervé contre moi-même. Mais peut-être que plus tard, pas encore maintenant tout de suite, parce que c'est encore récent et que je suis encore sous coup d'émotion, mais peut-être qu'encore après, je vais pouvoir en rire et que ça va être fou. Ça va être fou, ça va être fou. Non, non, mais plus sérieusement. Et puis là, j'essaye de d'encoder avec ma carte graphique. OBS me dit, impossible d'encoder avec la carte graphique parce que les drivers sont trop vieux. Ils peuvent pas être si vieux que ça. Déjà, je lance mon truc Nvidia et là, qu'est-ce que je vois? Une mise à jour du logiciel en lui-même. Bon, ça veut dire que ça fait un moment que je l'ai pas allumé. Bon, ok, pas grave. J'essaye de mettre à jour ma carte graphique avec installation rapide. Après la préparation, ça me dit erreur. Là, je viens de faire instant erreur. Je me dis bon, ok, merde. J'essaie de faire installation personnalisée, erreur une nouvelle fois lors de la préparation. Ok. Je descends, je me dis bon, de quand est-ce que date mon pilote? Il a un an. Il date de 2021, du mois de novembre 2021. Voilà. Ça fait depuis tout ce temps que ça n'a pas été mis à jour. Bon. C'est un peu la merde. On va pas se mentir, c'est un peu la merde, mais c'est pas bien grave. Garde le sourire, keep smiling. Et du coup, c'est très chiant parce que je pense que la seule solution, si ça veut pas se mettre à jour, c'est soit. Merde, je me suis trompé de scène. Soit je ne mettrai jamais ma carte graphique à jour jusqu'à ce que j'en change. Que je pense changer dans 4 mois, je crois. 4 ou 5 mois, je sais pas. Ah là, ça tourne. Ah oui, aussi, ce que je voulais faire. Et donc, bah, peut-être que d'ici là, je n'aurai toujours pas modifié, réinstallé les pilotes de la carte graphique. Parce que j'ai vraiment la flemme de le faire, c'est très chiant. Voilà, tout ça pour une broutille. Tout ça pour peut-être que ma carte graphique soit ralentie. Hein, il y a eu quand même des suspicions, surtout avec la GTX 970, je me souviens à l'époque, où les mises à jour, bizarrement, les cartes graphiques étaient grandement ralenties. Était grandement ralenti entre le avant et après une mise à jour. Niveau performance, elles étaient au plus bas. Voilà, donc je me méfie un peu parce que j'ai eu ça sur Rocket League. Bon, après, c'est allé mieux, mais c'est vrai que pendant une période sur Rocket League, j'arrêtais pas de laguer.
C'est pour ça qu'après, je me suis un peu calmé sur la mise à jour. C'est peut-être pour ça aussi que ça fait un an que je n'ai pas mis à jour. S'il ne faisait pas de la merde, hein, Nvidia, à dire oui, le marché des cartes graphiques ne sera plus comme avant. AMD, mesdames et messieurs. Des cartes graphiques avec la même puissance, mais genre, je sais pas, quasiment 1000 euros moins cher. Faut aller se faire foutre, les mecs. Hein. Faut pas oublier ça. Ah, on en prend pour des cons et c'est drôle. Tant qu'il y a 40 joueurs, le jeu peut commencer. Il y en a 39. Ok, let's go. Bon, c'est parti, ça joue cette fois-ci. Mais bon, ça va être vachement ralenti. Hein. Enfin, ça va. Je fais quoi? Une ou deux games et j'arrête. Hein. C'est catastrophique. Et demain, je sais pas, honnêtement, demain, si je vais streamer, je pense pas. Ce sera un petit Fall Guys. Mais du coup, après-demain, ou demain dans la journée, méga. Méga, comment on pourrait appeler ça? Vais essayer de faire ça déjà. Méga Sims 4, quoi. Bon, c'est cool d'avoir payé le jeu 60 balles et alors que maintenant il est gratuit, mais. C'est pas grave. Putain, faut sauter. Allez! C'est chaud là! Putain, les dents de merde là. Je peux toujours te sauter, mais c'est pas possible. Ok, c'est bon, j'ai la victoire. Eh bien, c'est bon. J'ai toujours la peur sur les gens en ligne que ça soit des bots. Tu joues contre des bots et tu te hype alors qu'il n'y a que dalle. Ouais, je pense pas. Vu le niveau, vu le fait que j'arrive jamais en finale, moi je pense que c'était personne réelle. Hein. Et vu l'attente aussi chiante au début, ce serait vraiment la meilleure des simulations ever. Oh, bref, normalement, du coup, pour en revenir à mon histoire de carte graphique, normalement, quand je change de carte graphique, tout devrait aller pour le mieux. Je vais pouvoir jouer à des jeux beaucoup plus gros, stream des jeux beaucoup plus gros, beaucoup plus beaux, beaucoup plus tout ça. Encodé peut-être avec cette même carte graphique, du coup, si le processeur suit pas sur certains points, avec des pilotes à jour en plus. Enfin, bref, voilà, je pense que vraiment le changement de carte graphique va me faire un grand bien. Il est temps, voilà. J'ai pas trop à me plaindre, surtout avec les jeux que je fais, mais. Yes, même pas. Ah, ça, je vais perdre. Hein. Je n'ai pas la foi avec ce genre de niveau. Oh, sans faire exprès. Ah, du con. Non. Ah, oh, je vais peut-être être le premier. Non, je suis pas le premier. Je serai pas le premier. Putain, la barrière de merde. Oh, à 1% près là. La blague. Oh, ça va me casser les couilles. Ouais. Allez, 1%. Merci. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ah, à 1% près, là, je pense que j'aurais arrêté de jouer. Ça aurait été le signe que c'est définitivement pas un jeu pour ma pomme.
Nickel. J'ai jamais fini numéro 1. J'ai jamais eu la petite couronne et tout, non. Non, 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 non. Non, non, mais moi je m'abaisse pas à ça. C'est essentiellement ça. M'intéresse pas. Essentiellement de gagner, quoi, c'est. C'est une question de fair play et tout. Ouais, ça, si je peux faire une bonne action et faire plaisir à des gens qui se sentent pas forcément bien en les laissant gagner, bah, je le fais tous les jours. En fait, c'est ce que je fais depuis toujours, en fait. C'est ma philosophie un peu du jeu. J'ai pas compris le jeu. Dommage de... Ah ouais, ok. Non mais vraiment, comment je la dégage? Bon, heureusement qu'il est nul aussi, hein. Non mais je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas comment je la dégage. Bon, il a gagné, j'ai perdu. Dommage de perdre sur ça. Je sais pas comment on la dégage. Je pense qu'on peut pas. Ah putain, c'est dommage de perdre sur ça, ça me casse les couilles. Oh. Ok, je reviens dans le jeu. Non, 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 non. Putain! Pardon. Un peu de rage. Il se passe quoi s'il y a égalité? Genre balle de match? Il y aura pas de balle de match. Moi qui te le dis. Moi qui te le dis. Casse trop les couilles! C'est vraiment une question de malchance. Moi, je pense. Bah, bien sûr que je veux quitter. Pourquoi je resterai? Je peux plus jouer. Bon. Voyons voir. Ouais. Voilà mon parcours, ouais. C'est pas grave. On prend avec le smile, bien évidemment. Et puis on rejoue, quoi. Ça regame. On revient. Come back to the arena. Started from the bottom, hein, comme disait Ramsey. Non, pas Ramsey. Si, comment il s'appelle déjà? Attendez. Attendez, attendez. Le live. Ramsey. Ramsey. Ah non, c'est pas... Comment il s'appelle déjà? Présentateur, présentateur. Kevin Razi. Voilà. Putain, c'était long, hein. Tout ça pour cette vanne de merde en plus. Ouais, c'est imperdable. Full win. Hop, ça va hyper vite. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, je perds du temps, je perds du temps. Rouge grid. I'm gridding.
Bon, je pense que je suis qualifié là quand même. Ah, j'avais pas vu que c'était pas fini. This isn't finished yet. Bon, c'est que la première manche, c'est la plus simple, la plus calme, guillemets. Attends de voir le reste. Ça va se faire tranquille. Voilà, mais j'ai le pif hein, généralement pour ce genre de choses et là je sens que je vais gagner. J'ai le pif. Allez, allez, un bon jeu là. C'est quand même long le choix là. C'est bugué? Non, ok, c'est pas bugué. Alors, comment on saute au-dessus de la poudre rotative et ne tombe pas dans la gélatine? C'est mignon comme jeu. En réalité, la gélatine, c'est de l'acide. Ok! Ne tombe pas. It's gonna be okay. Il y en a qui préfèrent. Je comprends pas. Pourquoi tu vas dans le mauvais sens? Pourquoi tu me casses les couilles? Eh, ils cassent les couilles ceux qui vont dans le mauvais sens là. Enfin, est-ce qu'ils vont dans le mauvais sens ou est-ce que c'est moi qui vais dans le mauvais sens? Ah, c'était chaud là. Ok, les premiers éliminés, les nuls. Ah non, je comprends pourquoi ils font ça. Ah merde. Ok. Deuxième manche validée. Voilà, vache. Tout ça qu'a sauté là. Oh non, ce jeu de mort. Yo, bro. Bon. Ça va partir en couille totale. Oh non, c'est moi qui dois servir. Personne n'est fort à ce jeu ou c'est moi là? Oh oh! Wow, let's go! Eh ouais, c'est comme ça qu'on joue mon pote. Oh, you suck! Là. Bon alors. Je le pulvérise. Oh, j'adore ce jeu. Ça y est. Oh, il fait les points tout seul. Bientôt plus besoin de jouer. Il y a un spectateur qui regarde ma beauté de jeu, quoi. C'est beau d'être apprécié à sa juste valeur. Oula.
Voilà. Ah, bon. Ah mais c'est pas grave. C'est pour psychologiquement il soit pas non plus ultra détruit quoi, parce que sinon c'est chiant. Le filet dans la gueule. J'ai l'impression que je peux déjà lâcher la manette. Let's go, la petite victoire, ma revanche sur la vie. Je vais écrire un livre. Comment j'ai pris ma revanche sur la vie. Je voilà quoi, Fall Guys à fond quoi. C'est la finale normalement, peut-être. Peut-être pas, mais je pense. Ce sera bien de gagner quoi. La finale. Pour remporter la couronne, évite le sol qui dégringole et lance des balles rebondissantes sur tes adversaires. Ouais, ouais, ça me... Ça pue du cul quand même, hein. Mais pourquoi évite le sol? RT, prendre une balle rebondissante. C'est quoi pour voir les noms? C'est cette touche, donc c'est-à-dire que c'est... Oh là là. Voilà. Ah oui d'accord, non, il y a des casques qui tombent. Voilà. Bonsoir. Tout va bien. Tout va bien. Yeehi. C'était trop drôle de voir mon perso de si près. Bon bah... Tant pis hein. Ah ouais, en plus j'étais que la deuxième élimination là, c'était mort. Mais faut que j'y joue plus souvent tout seul à ce jeu en vrai. J'ai fait un trade mission board mais je sais plus ce que c'est. Dans le doute je vais pas cliquer parce que... C'est pas ce qu'il y a. Alors moi je pense que je vais m'arrêter là. Enfin, c'était court hein, mais c'était fait pour être court. Moins d'une heure. Mais là en fait les problèmes techniques tout ça m'ont ralenti puis m'ont un peu cassé mon rythme. Je reviendrai plus fort. Ok, bah il est tombé dans le vide. Right. Et ouais, échec à la manche 4. C'est bien, on n'est pas loin de la victoire à chaque fois. C'est le plus important. Putain, à chaque fois j'ai peur que le jeu crache. I'm out. Mais c'est exactly like that. Non, bah en vrai c'était très sympa, mais ouais, les bugs techniques ont fait quoi là, malheureusement c'était un peu une... comment on dit déjà? Une... C'était horrible en tout cas, voilà. Je sais plus comment on dit. C'était horrible. Mais c'était... Ça restait quand même sympa. Faut vraiment que je trouve des jeux à faire. Le problème c'est que, comme j'ai dit précédemment, je commence à être cassé par la configuration de mon PC. Enfin, juste ma carte graphique. Je commence à, voilà, avoir du mal. Voilà. Et du coup, bah ça, du coup, il sert certains jeux que je peux pas stream. Donc déjà, ça me coupe un peu parce que ça m'enlève vraiment... beaucoup de jeux, parce que moi j'aime beaucoup les jeux à histoire, un peu cinématographique, avec des graphismes très très, enfin très très beaux et tout, et donc
Malheureusement, ça s'appelle le truc. Et je n'aime pas jouer avec les qualités graphiques basses. Voilà, je joue au jeu pour la première fois. J'ai envie d'en profiter, d'en prendre plein les yeux. Voilà, en tout cas, c'est mon truc à moi, quoi. J'ai payé le jeu plein pot. Alors, ça me fait chier de ne pas profiter plein pot. Voilà, parce que, en plus, je me heurte aussi à ce problème. C'est que la plupart du temps, en solo, ça marche bien. Mais en le streamant, c'est là où c'est plus compliqué aussi. Enfin, bref, tous ces petits trucs, ces sortes d'incidents et tout font que bah c'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant pour stream. Ça fait que du coup je dois beaucoup me répéter dans mes jeux et tout. Parce que vraiment j'achète plein de jeux. Mais entre les jeux que j'achète et les jeux. Je savais pas qu'il y avait les soldes d'automne. Soldes d'automne sur Steam, dis-moi là. Faudrait que je regarde. Peut-être au moins en acheter un, mettre 20 balles, acheter un petit jeu. Un petit jeu. Faudrait que je regarde ça de plus près, j'avais pas fait gaffe. Voilà, oh là. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup spammé Minecraft. Voilà, je vais être honnête, je suis retombé dedans. Dans Minecraft, pas parce que les streamers du lundi ont joué à Minecraft. Alors bien avant ça, j'étais déjà bien dedans. Enfin quelques semaines avant, quoi, 2 3 semaines avant et tout. Et je suis très content parce que j'ai fait une partie où je l'ai vraiment abouti. Parce qu'en tant que joueur Minecraft de plus de 10 ans, maintenant j'ai joué au jeu, il était encore en bêta. Et bien ouais, c'est un peu lassant au bout d'un moment, et c'est vrai que la plupart du temps je commence des parties et la motivation s'en va extrêmement vite parce que je joue pas forcément avec les nouvelles mécaniques aussi du jeu. J'essaie de jouer avec celle de base et tout, mais avec un jeu qui a grandement évolué. Enfin bref, en faisant cette partie, j'ai essayé vraiment de casser en fait tout ce que je connaissais un peu du jeu et d'essayer de jouer avec les nouvelles méthodes, les nouveaux trucs, etc. Et du coup, j'ai un peu redécouvert le jeu, j'ai un peu reprofité du jeu. Je me suis rendu compte que certains aspects que je trouvais durs, en fait, bah, ne le sont pas autant si on fait les choses avec les nouvelles méthodes, les nouveaux moyens. Et du coup, voilà. Du coup, c'est une petite partie. Bon, là, maintenant, j'ai un peu à nouveau abandonné parce que je suis un peu fait le tour. Voilà, mais je pourrais aller plus loin et tout. Je m'inspire beaucoup du LP d'Aipierre. LP d'Aipierre, putain. C'est des dingueries. Non, et du coup, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. Je trouve ça super qu'il y ait des jeux comme ça, quoi. Comme Minecraft, c'est un jeu quand même unique en son genre. Et bref, et du coup, et voilà. Et voilà. Donc, c'est essentiellement à Minecraft, sur lequel j'ai pas trop de mal à le streamer, mais même Minecraft, je vois que parfois c'est juste en 1080p 60 fps, je peux pas. Je mette au moins de la 50 FPS. Bien sûr, là, j'ai le nez qui me prend. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà. Donc, pourquoi pas faire une aventure Minecraft? Je sais que j'en avais déjà commencé une, mais bon, je vais pas la reprendre. Honnêtement, elle est complètement nulle. Et donc, faire cette partie solo, et ben, ça m'a un peu réconcilié avec le jeu, si je puis dire. Avec les nouvelles mécaniques et tout. Et ça m'a fait dire, ah, en fait, c'est pas si mal. Pas si mal que ça, les nouvelles mécaniques et tout, le miel, truc con, mais le miel, etc. Enfin bref. Donc je réfléchis à ça, mais bon, une partie Minecraft, quand même, c'est quelque chose de, mine de rien, d'assez lourd à streamer. Parce que là, la partie Minecraft solo, je pouvais y jouer quand je voulais. Que là, à streamer, bah, stream, en fait, jouer, je peux à peu près quand je veux, mais streamer, je peux pas quand je veux. Bref, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais moi, je me comprends. C'est l'essentiel. Parce qu'il y a jouer pour soi-même et jouer tout en animant. C'est deux choses complètement différentes. Et ça, malheureusement, c'est un peu compliqué pour moi d'animer. Voilà, j'essaye d'animer tant bien que mal, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a les Steam Awards. Je savais pas qu'il y avait les Steam Awards. Tiens, on va faire ça. On va faire les Steam Awards. On va faire les Steam Awards, aka le jeu de l'année. Alors, oh tiens, bon Windows 11, là j'ai toujours le truc. Catégorie jeu de l'année. Dominé.
Ah, attends, c'est à nous de choisir le jeu. Je vais la passer celle-là. Par contre, oula, jeu de l'année. Putain de merde. Ah ouais, c'est un peu mal foutu ça quand même. Alors oui, j'ai testé la démo de Life is Strange pour voir si elle marcherait sur mon PC. Et même en solo, bon, c'est pas une grande surprise, mais un jeu ray tracing et tout en plus, donc bien évidemment, ça ne marche pas. Par contre, mon jeu de l'année. En plus, c'est très con parce que ça me propose tous les jeux auxquels j'ai joué. Mais genre, si je mets Batman Arkham Asylum sorti en 2009, c'est pas cette année-là, mec. Bah, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est un peu nul les Steam Awards en fait, poto. Amour indéfectible, style visuel d'exception. Je peux, en fait, je peux tous les prendre à chaque fois, mais c'est très chiant. Ah, celui-là, je peux mettre Beyond. Beyond. Beyond Two Souls. Ah si, il y a quand même des critères. Faut quand même que ce soit un jeu dans l'année. Ok, bon. Jeu de l'année, bah je vais faire parmi ceux qui me proposent à chaque fois. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Pas bien tout seul ça. C'est pas sorti cette année, Raph. Je comprends pas tout. Malheureusement, Musical Story, non. Bah, du coup, je vais nominer Raft. Hein. Amour indéfectible. Alors, voyons voir. Portal 2. Ah, oh, putain, il y a Beyond Two Souls. Ouh, c'est dur. Ouais, mais Amour indéfectible. Ouh, le choix est dur, là. Le choix, il est extrêmement dur. Honnêtement. Parce que quand même, je mettrais quand même Portal 2 parce que c'est un jeu auquel que je pourrais refaire et refaire et refaire et refaire sans trop de soucis parce que c'est un jeu casse-tête, fun à rejouer et tout. Que Beyond Soul, je rejoue plusieurs fois. Le rejouer genre une fois tous les 3 ans, 4 ans, ouais. Mais le rejouer chaque année et tout. Que Portal 2, si. Et Portal 2, c'est un amour indéfectible aussi, mais je vais me nominer Portal 2. C'est mieux à plusieurs. Ah non, 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 non. Comment il s'appelle? Opération Tango. Bah je peux pas. Bon bah ça va être Raft. Style visuel exceptionnel. Mais bien le style visuel de Musical Story. Gameplay le plus innovant. Je vais mettre Raft encore. En fait, il me propose que Raft. Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité. Gundam Evolution. Meilleure bande son. Oh, les musiques de Musical Story, c'était pas si mal que ça. C'est seul hein. Catégorie jeu exceptionnel riche en récits. Ouais. Moment détente. Meilleur jeu en déplacement. Je peux jouer quelque part en... Bon bah voilà. J'ai voté. Ah non, j'ai pas mis le jeu de l'année. Bah, le jeu de l'année, bah Raft. Hein, Bon, c'est con. Hein. Pourquoi ça n'a pas pris? C'est mieux à plusieurs. Bah, le gameplay, il est innovant, mais il est chiant. Et pourquoi est-ce que ça n'a sauvegardé aucun des résultats? Oh putain, c'est bugué cette merde.
Mais c'est buggé. Bon, bah tant pis. Ça marche pas, hélas. Oui, d'ailleurs, les Steam Awards, tout ça, ça me fait penser que. Toujours de scène. Il y a bientôt la grande conférence du Game of the Year que bien évidemment je regarderai en live parce que c'est pas drôle de pas suivre ça toute la nuit jusqu'à 5h du matin. C'est un peu abusé cette année, je sais plus à quelle heure c'est, faut que je regarde. Je crois bien que cette année c'est à le 8 décembre, il me semble. Non, c'est le 9 pour nous, mais officiellement c'est le 8, enfin, bref. Et donc, c'est à partir de 1h30 du matin jusqu'à 4h30. Bon, il y a le pré-show, il n'y aura pas d'after-show, mais il y a le pré-show déjà, donc je pense qu'il commence à minuit chaque année. Enfin, bref, donc ça va être grosse cérémonie que je vais poncer, ça va être trop bien. Voilà, le problème c'est que c'est tard, malheureusement, les décalages horaires avec Los Angeles oblige. C'est un peu con ça, mais ça va être trop bien. Chaque année, je suis jamais déçu de cette cérémonie. Je la trouve toujours assez bien rythmée, avec les petites annonces au milieu. En vrai, j'ai jamais eu à m'en plaindre trop. Bon, il y a toujours des moments de flottement comme dans chaque cérémonie, mais surtout l'année dernière, les musiques, par contre, les instants musicaux étaient vraiment canonissimes. C'était vraiment fou. Mais bon, c'est encore mieux comme ça là. Mais voilà. Mais voilà, en plus l'année dernière il y avait Arcane qui était sorti, donc il y avait cette folie Arcane où tout était Arcane, chaque truc était Arcane, il y avait Sting qui était venu, Imagine Dragons, bref, c'était de la folie. Je sais pas comment ils vont faire cette année, mais ça va être un peu plus fade malheureusement. Faut dire ce qui est. Mais je suis bien content parce que les Game Awards quand même c'est cool. Ça reste une cérémonie cool qui met en avant pas mal le jeu vidéo et qui commence vraiment à être pris au sérieux au sein du game. Donc c'est voilà, plus que 15 jours avant le show. Voilà. J'ai déjà voté, faut voter, c'est important de voter. Si vous ne votez pas pour les élections présidentielles, votez au moins pour le jeu de l'année, mec. Je sais pas. Mais ouais, non, j'ai déjà voté. Voilà. Voilà, je dis pas mes votes. Personnel, ok? Alors, il y a des catégories que j'ai votées, j'ai pas forcément joué au jeu, mais j'ai vu le jeu et tout, donc c'est pour ça que je me suis permis de voter. Et tout, bien évidemment. Mais faudrait que je regarde mes votes une dernière fois avant que ça soit définitif. Je regarderai, je pense, début décembre, avant que ça soit complètement définitif. Voilà, il y a des petits choix quand même sur lesquels j'hésite pas mal. Voilà. Mais surtout. Le truc auquel il ne faut pas oublier de voter, c'est sur la best adaptation en termes de série, jeu vidéo, film, enfin d'un jeu vidéo à un film ou d'un jeu vidéo à une série. Il y a Arcane, Cyberpunk, Cuphead Show, Sonic Hedgehog 2, Uncharted. Bon, déjà, les deux films, ils jartent. J'ai pas vu Uncharted, mais bon, ça me paraît pas ouf ouf. Sonic the Hedgehog 2. Je sais pas, Cuphead Show, j'ai regardé, c'est sympa. Mais c'est pas transcendant non plus. Enfin, j'ai pas compris trop l'intérêt de la série. Cyberpunk, j'ai bien aimé. Mais mon cœur va à Arcane. Parce que, en fait, Arcane mérite juste de gagner. C'est même pas discutable. Malheureusement, je vois sur Twitter que ça se discute. Je suis désolé de dire ça, c'est pas discutable. Je dis pas que Cyberpunk, il y a eu moins de travail. Beaucoup de travail. Mais Arcane, genre, la série, tout est parfait. Cyberpunk, je suis désolé, bon, c'est pas. Bonne série d'animé, très bonne série d'animation, un peu enfin, plus japonaise et tout, comme ça, là. Enfin, je sais pas si j'ai pas si c'est japonais, mais en tout cas, c'est style animation japonaise et tout, c'est très cool. L'histoire est plutôt pas mal, même si, bon, moi, j'ai pas aimé la fin. Enfin, j'étais un peu sur ma faim, ironiquement, pour le jeu de mots. Et Arcane était juste parfait. Arcane était juste parfait. Arcane, il y a eu un travail fou, il y a eu un travail monstrueux, un travail qui durait depuis 2014 et qui est sorti que en 2021. Donc ça a mis 7 ans à sortir. Un projet de 7 ans, l'envergure du projet, qui est juste énorme pour juste 9 épisodes de même pas une heure. Mais chaque épisode est une pépite. Il n'y a pas un seul épisode qui est moins bien que l'autre. C'est simple, j'essaye de trouver des défauts à cette série, j'en ai trouvé aucun. Ce qui du coup peut être un défaut,
Parce que la saison 2, la barre a été mise extrêmement haute. Et la saison 2 me fait un peu peur quand je vois que ça peut bientôt sortir ou que ça peut sortir genre fin 2023 et tout. Moi, ça m'effraie un peu. Moi, je préfère qu'ils prennent vraiment leur temps, qu'ils sortent un truc soit en 2024 ou 2025, voire plus, mais bon. Après, il y a aussi mon côté où j'ai hâte de voir la suite, quoi. C'est pour ça que voilà, faut tempérer. À l'intérieur de moi, je tempère. J'ai un côté de moi qui me dit, faut que ça sorte vite, c'est trop bien, mais faut que ça sorte dans longtemps aussi, parce qu'il faut que ça soit bien fait. Et tout, donc voilà, la barre de la saison 2 a été mise très haute. J'espère qu'ils voilà, j'espère qu'ils vont pas chier. Moi, je pense pas. Moi, je pense que justement, suite au succès qu'il y a eu, ils vont avoir un grand recul. Un grand recul et se dire, wow, ok, Minotos. Minotos. Et donc voilà. Mais pour moi, Arcane mérite complètement parce que tout est parfait. Même la VF, elle est parfaite. On a beaucoup de chance avec cette VF. Je la trouve vraiment très, 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 très propre. Alors même peut-être sur certains points un peu mieux que l'original. Quand on regarde des comparatifs, je la trouve un peu mieux que l'original sur certains points. Et puis l'original est mieux sur certains points que la VF, bien sûr. Mais voilà. Mais. Voilà quoi, l'histoire est béton, l'histoire elle met sur le cul, et puis y a pas vraiment de morale, mais il y en a une un peu quand même. Enfin bref, je sais pas si vous avez vu, faut aller voir. C'est juste 9 épisodes, juste 9 pépites. Que ça soit visuel, au niveau de l'histoire, psychologiquement, et à l'écoute, ou les musiques d'Arcane. Moi je pense que quand mon Spotify Warped va sortir, il va y avoir Arcane, c'est obligatoire. Il va y avoir un Michel Berger. Mais Spotify Warp ne veut rien dire. Il va y avoir Murray Gold, une musique de Doctor Who, sûrement, je pense. Il va y avoir Michel Berger. Il va y avoir ensuite, dans le même truc, il va y avoir Eminem. Et il va y avoir aussi donc Arcane. Et peut-être Daft Punk aussi. C'est très varié, c'est très divers. C'est moi, soit. Donc voilà. Donc pour moi, Arcane mérite amplement. Si on doit parler, et j'espère franchement qu'elle va gagner, je pense qu'elle va gagner. Mais honnêtement, j'ai vu sur Twitter que quand même, par rapport à ce que je pensais, ça se fightait bien. Donc je pense que ça va jouer entre Cyberpunk et Arcane, même si je pense que Arcane va l'emporter quand même d'un peu plus loin quand même. Mais je suis choqué un peu qu'on puisse discuter Arcane en fait. Arcane qui en plus a gagné toutes les récompenses, je crois. Genre partout où elle a été nominée, elle a gagné, je crois, la série. Genre, du coup, merde quoi, aux Game Awards, allons-y quoi. Surtout que, genre, l'année dernière, c'était vraiment le centre d'intérêt des Game Awards. Donc, merde. Donc, non, j'espère honnêtement qu'elle sera gagnée. On sait pas encore les guest stars qu'il va y avoir. Ça sera en IMAX aussi. Putain, incroyable. Les Game Awards en 4K. Bon, je crois que chaque année, je suis en 4K, mais c'est cool d'avoir des trucs vraiment très très propres. Très 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 propres et voilà. Mais honnêtement, je sais pas ce que pourrait être le thème de cette année. Parce que l'année dernière, en plus, il y avait eu le Unreal Engine 5, qui était dinguerie. Par contre, c'était vraiment sur le cul. Et là, il y avait du coup Matrix aussi, tout ça. Là, honnêtement, je me demande qu'est-ce que ça pourrait bien être. La thématique un peu des Game Awards. Chaque année, il y en a une qui en plus ressort de manière assez facile. C'est toujours un truc qui sort du lot cette année. Soit c'est moi qui n'ai pas suivi, mais j'ai l'impression que il n'y a rien qui ressort réellement du lot. On verra ça. Voilà, je pense qu'ils vont nous en dire un peu plus. Chaque année, ils nous disent les guest stars qui viendront au Game Awards. Je me demande qu'est-ce qu'il y aura comme artiste. Et voilà. Voilà. Non, j'ai très hâte d'y être. Ça va être cool. Ça va être très cool. Pour l'occasion, bien évidemment, je ressortirai la chemise cravate. Voilà, celui-là, le t-shirt Event. Bon, il est sympa, hein, il est beau. Mais c'est Game Awards, quoi. Bien. Bien. Faut se mettre bien, quoi. Faut faire péter la cravate. Enfin, bref, voilà. Je vais pas m'éterniser mille ans. En plus, j'avais dit que j'arrêtais et tout, Fall Guys et tout, mais voilà, bah, je continue, je fais que blablater, je m'arrête jamais, c'est un enfer, voilà, bon, bah. Au moins, ça fait plus d'une heure que je stream. Bon, le temps ne compte pas, mais. C'est vrai que, bon, psychologiquement et puis même visuellement, c'est un peu bizarre de voir un stream de moins d'une heure.
Et donc voilà, bon, c'était bien cool. J'espère pouvoir reprendre demain soir vers la même heure. Cross the fingers. Sinon, ça sera demain en début d'après-midi. Ça dépend de comment je gère mon temps. En fait, il faudrait que je me trouve un temps vraiment pour stream. Le problème, c'est que les soirs, c'est compliqué. Les après-midi, c'est compliqué. Niveau timing pour caser ça. Et bon, ça me frustre beaucoup. Puis ça m'attriste beaucoup parce que c'est un truc que j'aimerais bien vraiment faire bien. Relativement bien. Et malheureusement, ça demande une organisation un peu trop énorme. Enfin, un peu trop énorme. Non, c'est pas une question d'organisation, c'est une question de temps. Voilà, j'aimerais bien au moins stream au moins 2 heures, 3 heures. Et donc, voilà, je suis face à deux obstacles. La façon d'animer et l'envie. Je mets ça ensemble. Du coup, parce que si j'ai pas envie, bah, mon animation va être nulle à chier. Parce que franchement, parfois, je vois des streams où à une époque où, bah, il y a encore quelques mois, mais où c'était une journée où j'avais pas trop envie de stream, mais je streamais parce que je voulais faire une sorte de quota et tout. C'est chiant. Je baille pendant le stream. Tellement je me fais chier, je baille. Je parle pas. Le peu de commentaires que je fais, c'est le parler pour parler. C'est juste. En fait, c'est horrible, c'est contre-productif. Juste, j'ai perdu mon temps et ça c'est nul. Bref. Bref. Ça va le faire, grave. Ça va le faire, grave. On se retrouve, du coup, normalement demain. J'ai oublié les paramètres d'OBS, tout ce que je voulais faire. On se retrouve normalement demain, en bonne et due forme. Pour le meilleur, quoi. Voilà. Je sais pas si je laisse avec cette musique apaisante ou si j'essaie d'en mettre une autre. Ouais, un petit Life is Strange. En plus, je crois qu'on fête les 7 ans du jeu il y a pas longtemps. Enfin, Donc voilà. Un petit Life is Strange. Un kilou bilou. Il manque une musique, attendez. J'aime bien finir par celle-là. J'aime beaucoup l'ambiance de cette musique. Et donc, ça sera celle-là. Voilà. Tout ça est. Prenez bien soin de vous. Bonne nuit, bonne soirée, tout ça. Voilà, tout simplement. Votez Game Awards 2022. Faut pas oublier. Ciao. Pourquoi? Ça ne marche pas. J'ai lent. D'accord. Ouais. Bon, ça peut se passer comme ça aussi, mais j'aimerais vraiment bien que cette animation propre, elle passe, si possible. Attention, cette fois-ci on recommence, ça a marché. Rien ne marche. Chusai. Non, ça marche pas. Un peu embêtant, mais tant pis. Du coup, ça mascotte de manière assez radicale. C'est la merde. Hein. Quand je dis que c'est la merde, je n'invente rien. Ah si, ça marche, ça y est. Oh, le temps de latence est énorme.